Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Célandron pour le deuxième épisode de mon let's play pour bien débuter à toi. Non, c'est pas ça, c'est pour mon let's play sur le jeu Towns. Ça c'est l'habitude du guide quand même. Ça se sent. Bon, on va rééquiper tout le monde parce qu'il y a quelques objets qui sont arrivés. Voilà, nickel. Donc là c'est en train de se faire d'être construit. Tout ça va très bien. Alors, dans cet épisode, on s'est occupé, enfin dans l'épisode précédent, on s'est occupé des trucs de première nécessité ainsi que de la nourriture. Donc là, voilà. Là, c'est nickel. On va virer tout ça. Et on va quand même commencer dans cet épisode à la création de personnel room. Donc, les personnel rooms. On va faire ce que j'appelle des H&M. Hein. Alors, le minimum pour les personnel rooms, c'est ça. Ben, on va en faire. Hein. Zut, il faut que je maintienne appuyé. C'est où les personnels? Voilà. Donc là il y aura un mur, là il y aura un couloir, là il y aura un mur. Et hop, on va ici. Là il y a un mur. Là il y a un mur, hop. Et comme ça on peut faire un petit paquet d'un coup. Ça va très bien. Voilà. Et on pourra même faire sur des niveaux supérieurs. Donc là j'en ai fait 10, ça fait 10 par étage, c'est nickel. On va pouvoir faire des lits. Zut, ils sont là. On va faire des wooden bench, donc c'est des lits de bois. Hop. Histoire qu'ils dorment un petit peu plus vite. Donc les lits de bois c'est bon, on va faire des wooden chairs. C'est des chaises hein. Augmenter un petit peu leur happiness. Des tables. Ouais, je les ai un peu mis devant les portes, mais c'est pas grave. Ils feront avec. Donc là, normalement, ça doit se faire tout seul. Donc je détruis ça, faut que je chope Apple Tree. Voilà, normalement, là, ça doit se faire tout seul. Ce que je vais régler dans cet épisode, ça va être les groupes de travail. Bon, d'ailleurs, je vais finir d'équiper tout le monde. Je pense que là, au niveau des équipements, ils sont bons. Allez, allez, on s'équipe. Il en reste un. Ça y est, tout le monde est équipé, full, avec des armes et de l'armure. Donc là, ça tient sur à peu près n'importe quelle créature du premier niveau, donc ça va très bien. Donc on va faire des groupes de travail. Allons-y. Donc on va remettre celui-là, on va l'appeler construction. Voilà. On va changer le job. Ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il... Bon, on va tout mettre en faux, c'est qu'il build. Et qu'il construise des items. Voilà. Ils font ça. Ces trois trucs là, c'est à dire qu'ils font les items de construction, les bois de construction et les buildings. Construction, ça c'est bon. Alors toi, je voudrais mine and dig, tanning and chopping. Donc là c'est miner et bûcheron. On va changer de groupe. Minage et bûcheronnage. Voilà. Prochain groupe. Vous savez quoi, je vais mettre en pause parce que sinon ça va pas aller. Baking and cooking et gathering and harvesting. Bon. Récolter et cuisiner. Voilà. Le prochain. Alors, il reste. On va mettre ramener. Ramener et la boucherie. Non, vous savez quoi, on va mettre hold, donc c'est ramener, et trading, c'est faire des échanges. Ça sera déjà fait. Alors, nommer le groupe. Et commerce. Ramener et commerce. Voilà, nickel. Et le cinquième, change job. Il reste butchering et feed. Donc là, c'est tout ce qui est animaux. Je vais l'appeler comme ça. Ça va très bien. Donc, alors, job group, construction, construction, minage et bûcheronnage,
récolter les cuisiniers, ramener les commerces, animaux, quoique non, bah, pour l'instant dans animaux il n'y a rien, donc arrête, récolter les cuisiniers pour toi, ouais, récolter les cuisiniers parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Nickel. Bon, bah, ça y est presque. Tiens, pourquoi il y en a un de plus? Ouais, la table était censée être là. Hein. Pas pourquoi. Voilà, ça y est. Elle a été posée. C'est nickel. Donc là, on est bon. Alors, en espérant qu'il fasse du pain aussi. Il y a moyen que vous en fassiez, normalement. Ah, mais zut, j'ai pris... Il manque des trucs pour le... J'ai le Baker Table, mais j'ai pas le Baker Oven. D'ailleurs, on va en faire plus, des Baker's Table. Par contre, ce qui veut dire qu'il va me falloir plus de stone. Hop. Dig. Voilà. J'ai pas oublié de la stone, non, c'est bon. Ça y est, là, ils me font bien du pain, bon. Normalement, la pinaise commence à remonter, ça c'est très bien. Il commence à bien dormir, enfin il dort plus vite en tout cas. Il dort plus vite, il y a plus de nourriture, non pas tellement en fait. Donc il me récolte un peu ça. Et ça me ferait moins de problèmes. Hop, je vais me demander à ce qu'il chope le tall tree. Voilà. Là ça va bien, ils font de la farine, la pinaise qui remonte, et du coup il va falloir que je m'attelle à la construction de murs. Ouais, de murs, tiens, on va augmenter la production de bois, comme on va augmenter ici notre production de trop de trucs, de pommes et de poires. Alors attendez, j'ai coupé un peu. On voit rien. Je vais descendre. Ah, ça y est. Oh, nickel, je me suis bien pris. Là, c'est bon. Donc là, il mange. Ce qu'il faut que je fasse aussi. Parce que là, du coup, j'ai fait les personal rooms. La cuisine, voilà, la cuisine, c'est pour la... C'est pour ce qui est butchering, pour l'instant j'en ai pas encore trop besoin, c'est pas ça que je cherche. Balconnier on s'en fout, le market on s'en fout pour l'instant, l'hôpital on s'en fout pour l'instant. Bon bah je vais faire une dining room. Hein. La dining room, une grosse dining room en prévision, on va virer le... Le mushroom. Alors bon bah l'intimum room c'est pas très compliqué ce qu'il faut mettre dedans hein. On va mettre une chaise, enfin une table. Hop. On va pas en mettre 36 pour l'instant. Hop. Donc là ils ont du boulot hein. Ils ont beaucoup de boulot. D'ailleurs je vais leur demander de récolter plus de bois. Pas là-dedans. Pas là-dedans non plus. J'en ai toujours 20, sachant qu'il faut qu'ils finissent tout ça. Ouais. Ils ont quand même pas mal de boulot. Hein. Mais la pinaise commence à remonter, c'est déjà bien. Il faudrait que je fasse des stockpiles un peu plus jolis quand même. Parce que là c'est un peu moche. Vous conviendrez. C'est pas très joli. Voilà, la pinaise monte, il va falloir que je fasse vite le deuxième étage du coup. Sinon j'aurai jamais la place. Allez, allez. Faut que je fasse des stockpiles, j'ai beaucoup de trucs à faire en fait, j'ai énormément de trucs à faire. C'est toujours un peu embêtant d'avoir autant de bidules. Et là ça va parce que j'ai que 10 villageois, mais alors
à 100 villageois, c'est tombé, c'est de carnage seulement, c'est n'importe quoi. Il faut les atteindre aussi, 100 villageois. Récolter, cuisiner, ok. On n'a pas une happiness 22, 11, 6, 9, 1, 0. Pourquoi vous n'êtes pas content en haut? Normalement chacun a son petit chez lui. On ne sait pas pourquoi il y en a qui sont pas contents. Bon, pas très grave. On va peut-être commencer à faire les murs aussi. Une fois qu'ils auront fini ça, on va commencer à faire les murs. Hein. On va faire des wooden walls, parce que c'est les log walls, ils se barrent au bout d'un moment. Alors ça va être un peu n'importe quoi. Parce qu'il faut faire bien étage par étage, sinon les glandus restent bloqués. Comme des abrutis. Et ça va être un peu long d'ailleurs. Qu'il soit plus en fait. 14, bon bah ça y est, ça commence à monter. On n'a pas assez de bois, on dirait. Pourtant minage et bûcheronnage, ils ont que le minage et le bûcheronnage à faire, donc ça devrait aller. Allez. Pas très rapide, hein. Ils sont pas très rapides. 15, ça s'améliore tout ça, ça s'améliore. Donc là ils finissent, ça y est, il reste plus que 2-3 chaises et ça ira, ça va être nickel. Les stock panels, on va voir la food. On a 4 bread, 10 purple, 5 pear. Ça faut que j'augmente la demande en purple et en pear. 15, 15. Nickel. Hop, je sais pas ce que j'allais faire. Alors, wooden block, ça y est, ils ont fini. Oh merde! Ils vont encore mentir. Hein. Putain! Ah ouais, pique quoi. Oh, chier quoi. Bande de tarés. Tu me tues? Vous avez changé de place, mais... D'accord, quand je mets en... Severely Wounded... Est-ce que... Il y a intérêt à ce que tu me le tues. Putain, il l'a tué. Bon, on a encore perdu deux. Putain de merde. Évidemment, c'était les deux d'un groupe important, je suppose. Eh ouais, c'était deux de récolter et cuisiner. Bon, bah, on est tous à deux. Va me dire du coup il y a beaucoup moins de personnes à s'occuper, donc hein, ça devrait aller. Mais ça me casse quand même les pieds quoi. Oh désolant. Hop. Je mettrai une porte ici. Voilà, donc là je fais un bâtiment d'habitation. Hop. On a qui range ce putain de bout de viande là. Pareil pour le casque. Ah, ça me casse les pieds. Bon bah du coup la VG Happiness il va remonter assez vite, mais bon. Il en a tué deux quoi. Hein. On va faire avec. Hein. 16, ça remonte. 15, ça descend.
Oh là là. Une grosse galère. Là, il faudrait que ça monte jusqu'à 20, là, histoire d'avoir les... Oh, ça descend en plus. Il n'y aurait pas d'autres cochons. Tiens. Tuer ce cochon. Oh là là là. Comment on peut faire un truc aussi salaud, quoi. 11. Et allez. 10, on redescend. À quoi que 12. Ça se stabilise, mais bon, j'aimerais bien avoir un peu plus que 12, quoi. On va faire avec, hein. On va faire avec. Ça embête tout de même. Bon. En fait, il faudrait que j'arrête de leur demander des trucs. Ça leur permettrait de monter en happiness. 17. 18. Allez, allez. Et presque, là. 18. Il n'y a rien là, vous pouvez y aller. 19. Allez, le 20. Je veux récupérer des... 18. Ah, je veux récupérer des villageois, bordel de merde. Ah là là. 19. Vous avez des pioles qui sont nickel, vous avez pas trop de boulot à faire à part ceux qui s'occupent de l'item construction. Ça devrait aller. Vingt et un. Je veux des villageois. Si possible, 2. Allez. Il y a de la place en plus. Je peux les accueillir. Je peux les accueillir là. Normalement, c'est bon. Ah. Ça y est, 2. Bon, on va pouvoir la rééquiper. Équipez-vous. Je crois qu'il y a suffisamment d'objets au sol pour pouvoir vous équiper automatiquement. Allez. Sérieux, vous pouvez pas vous... Ah bah non, bon, d'accord. Il n'y a pas d'item pour le corps. Ouais, je vais les équiper un coup là. Un pour le corps et un pour la main. Hop. Voilà. Et c'est bon, ensuite toi. On va vous équiper. Récolter et cuisiner, récolter et cuisiner. Voilà. Ça va très bien. C'est nickel. Du coup, les revoilà. Bon, c'est un peu embêtant quand même. Alors. On va pouvoir planter un petit peu de pommes. Et de poires. Voilà, je plante pas tout, histoire d'avoir un peu de marge. Là, pour les blocs, ça avance. Il y a des trous à certains endroits. Ok, d'accord. Je peux pas encore l'enlever. On va le virer, vous savez quoi. Nickel. Faudrait que je fasse une porte aussi. Où je trouve où sont les portes, elles étaient là. Wooden door. Ça y est. On va faire avec ça. Le truc, c'est que c'est un peu casse-pied parce qu'il faut monter 2 niveaux avant de pouvoir poser le plancher de l'étage supérieur. Bon, tiens, d'ailleurs, on va équiper ces deux là. Il y a de la marge. Voilà, là c'est bon. Alors,
Ah bah ça fait 20 minutes. Bon bah on aura pas mal avancé. Bon ça a été un peu la galère avec les le Werpig la casse-couille. Bon. C'est déjà pas mal. Là on est remonté à 10 citoyens pour 18 jours là. Ça avance doucement mais sûrement. Là on commence à faire notre première habitation. Je pense que l'épisode d'après on la finira, en tout cas le premier étage. Enfin le rez-de-chaussée, le premier étage, ça se viendra juste après, comme ça on pourra accueillir de nouveaux villageois. On va continuer à faire notre petit bonhomme de chemin, on va essayer de faire la taverne, je sais pas trop où, mais on va la faire. On va faire une taverne, je pense que je vais déplacer à partir d'ici. Une taverne, ça permettra d'avoir des héros, et avec ces héros, on pourra commencer à explorer les sous-sols. Ce qui est quand même l'objectif. L'objectif, c'est quand même de descendre tout en bas. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va descendre jusque-là. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, et puis à la prochaine. Salut à tous!